Bienvenue à l'École centrale de Marseille, école généraliste, donc formant des ingénieurs appelés à occuper des responsabilités dans des organisations, des structures, des entreprises. Et à ce titre, nous dispensons une formation projet éducatif très centré sur l'éthique de la responsabilité. Dans ce cadre, nous avons développé un partenariat étroit avec la CARSAT Sud-Est pour sensibiliser nos élèves depuis très amont dans leur cursus jusqu'à des approfondissements en dernière année aux questions de santé, sécurité au travail. Concrètement, les étudiants ont affaire aux aspects santé et sécurité au travail, plus précisément dans le premier semestre de leur seconde année. Ça commence par un rapport d'observation qu'ils doivent faire à l'issue de leur stage en entreprise. Ils suivent le cours d'un intervenant membre de la CARSAT Sud-Est et d'une façon plus appliquée, les étudiants suivent ensuite un TD à l'occasion duquel ils vont se voir confrontés à des outils inspirés par le référentiel BEST. Depuis trois années, l'enseignement sciences humaines et sociales a pour objectif de présenter aux étudiants centraliens les facteurs psychologiques et sociaux du monde de l'entreprise. Ça va de la culture sociologique, d'un groupe restreint ou large, à une organisation du travail et les impacts psychologiques de la communication sur un groupe, de l'influence sociale sur un individu et des profils psychologiques variés pour la gestion d'une équipe. Ici à Centrale Marseille, je suis en alternance, c'est-à-dire que j'ai été confrontée très rapidement aux problèmes de santé et sécurité au travail au sein des CNS, l'entreprise à laquelle j'appartiens, les chantiers navals. C'est grâce aux cours que j'ai en parallèle avec mon alternance que j'ai pu vraiment comprendre les enjeux humains, juridiques et aussi financiers qu'a la SST sur un grand groupe comme des CNS. Dans le travail que j'occupe en tant qu'alternant, je suis amenée à manager des effectifs qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine de personnes et il faut être capable de gérer ce facteur humain. Et c'est ce que m'apporte ma formation à Centrale, surtout via l'alternance, puisque j'ai été mise face à la pénibilité du travail telle qu'elle est réellement. Ça m'a également appris à la gérer et à la manager.